Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif que je tourne dans ma cave où je vais vous parler de l'acclimatation des organismes sensibles à l'air. Parmi les organismes sensibles à l'air, on va compter les étoiles de mer, les oursins, les ophiures et les escargots. Les escargots, on fait attention surtout pour les gros escargots, les petits escargots, on va juste faire en sorte que la bulle d'air sorte au moment de l'introduction. Le fait est que beaucoup de monde se pose la question de comment introduire une étoile de mer sans se retrouver avec une bulle d'air qui va venir la tuer. Le plus simple, c'est de faire une acclimatation dans son seau à l'arrivée, comme vous avez l'habitude de le faire. Ensuite, avec votre doigt, vous allez venir caresser le dessous de votre étoile de mer, tout doucement, et passer sur l'ensemble des bras. Cette opération sert à faire rentrer toutes les tentacules. Vu que les tentacules seront rentrées, l'air ne pourra pas rentrer puisque tout sera fermé. Une fois que vous avez fait ça, vous la posez à plat sur votre main et vous la sortez de l'eau. Et toujours à plat sur la main, vous la posez dans votre aquarium et vous la posez à l'envers sur le fond de votre aquarium. Une fois posée sur le fond, elle va se retourner d'elle-même. N'ayez pas peur, mais au moins on aura garanti qu'il n'y a pas de bulle d'air qui s'est introduite dans l'étoile de mer et qui risquerait de la tuer. De la même façon, pour un escargot, on va venir le prendre délicatement une fois acclimaté, caresser pour qu'il se ferme un maximum. Certains ont un opercule, d'autres pas, mais on va le faire se fermer. Une fois fermé, on le prend à l'envers, on le sort de l'eau et on va venir le poser ensuite à l'envers dans l'aquarium. En bon escargot, il va se retourner tout seul, ça ne lui posera aucun souci de retourner sa coquille et ensuite se promener dans l'aquarium. Pour ce qui est des oursins maintenant. Pour les oursins, même topo que pour votre étoile de mer, on va venir le détacher légèrement du bord de notre seau dans lequel on l'a amené et acclimaté, et on va venir caresser l'ensemble des pics. Attention à ne pas vous piquer, hein, ça peut parfois être désagréable, mais une fois que ça s'est fait et que toutes les petites ventouses sont rentrées, on va pouvoir le sortir à l'envers et pareil, on le pose à l'envers sur le fond de l'aquarium, il va se retourner et tout va bien se passer. J'espère que cette astuce pour arriver à introduire des animaux sensibles à la bulle d'air vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes de Récif Captif.